Airbnb à deux pas du soleil. Finira LA, ici rien n'est gratuit, toute illusion se paie. Tu la joues facile, de l'audace et du style en fourreau panthère. Désirable et sexy, au levant de la vie, et te voilà à terre. Créer son propre outil sur mesure, le penser, le questionner, puis lui donner forme et vie, comme dans un rêve. Un rêve dans lequel on avance, quels que soient les obstacles, dans lequel on façonne soi-même la suite, avec notre créativité décousue. Aujourd'hui, il en existe tant de ces instruments à six cordes. Il en existe de toutes formes, de tout style, de toutes couleurs, avec tous les sons possibles. Oui, mais un objet fait main, dont l'artisan a pris soin, n'a pas la même âme qu'un produit industrialisé. Ça me relève le bois, quand je fais ça, ça le couche. Ça veut dire que ton bois, il a un sens. Je voulais assister à la genèse, mieux encore, participer à la création de cette future compagne d'exploration. Wild Custom, le nom me plaît déjà. Je suis partie à Vichy, à la rencontre des membres de l'équipe. Ils sont réputés pour n'avoir aucune limite. Je leur expose mes critères. Chaleur et puissance du son, confort de jeu, une ligne affinée, un poids, une taille à ma mesure, un look acide, sucré, anguleux, féminin, redoutable. Blaise et Julien me parlent de leur modèle nommé Impala. Je me sens à la maison. Comme l'antilope, les lignes sont athlétiques et gracieuses. L'essence aiguisée. Elle a l'air nerveuse, animale. C'est ce que je cherche. À partir de là, on affine chaque point. On réduit progressivement tous les possibles pour concrétiser l'idée. Participer à la création est une façon de démystifier cet instrument. Et pourtant, tout le processus reste magique, surtout quand il y a des paillettes. On avance pas à pas autour de ces courbes à angle droit. Maintenant, l'arbre doit comprendre qu'il est une guitare. Ça y est, le bois s'anime, prêt à porter ma deuxième voix. L'air qu'on respire aux portes de Bel Air, ce parfum de vanité délétère, vaut-il le mal que tu as pu faire?